j'ai rencontré beaucoup de personnes lors de cette rencontre, c'était vraiment super intéressant. Et j'aimerais remercier tout particulièrement toutes les personnes qui ont aidé cette organisation et en tout particulier les frères. J'ai rencontré beaucoup de personnes différentes, très différentes d'ailleurs, de différents pays d'Europe. La seule chose que je leur ai demandé en commun, c'est comment ils disent « merci » dans leur langue maternelle. Et j'aimerais vous dire les trouvailles, enfin ce que j'ai trouvé. Donc j'ai accueilli chez moi 4 Croates qui m'ont dit que dans leur langue, on disait « merci, voilà ». J'ai rencontré un Vietnamien, très sympathique d'ailleurs, qui m'a dit qu'on disait « merci, Kamwon ». J'ai rencontré une jeune fille du Bélarus, très sympathique elle aussi, qui m'a dit la prononciation, j'ai peur de faire une erreur, mais je vais quand même le dire, je pense. J'ai rencontré des jeunes filles d'Ukraine pleines de joie et très contentes d'être ici, qui m'ont dit qu'on disait dans leur pays « c'est pas subi ». J'ai rencontré une jeune fille d'Indonésie qui nous a beaucoup parlé de son pays et de ce qui s'est passé, de ce qu'il s'y passait. Elle m'a dit aussi une prononciation bien particulière que j'ai sans doute oubliée, Terima kasih. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes filles de Pologne qui m'ont dit qu'on disait Dziękuję. Tous ces merci sont adressés à vous, l'équipe d'organisation, tous ceux qui ont rendu cette rencontre possible, imaginable et qui ont fait de ce moment à Strasbourg exceptionnel. Donc je voudrais vous le dire dans ma langue, merci beaucoup et on se reverra peut-être dans 1 ou 2 ans.